Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 84, 85. Je ne sais pas, ça va être écrit dans la barre dans le titre. Mais regardez ce que j'ai sorti. La Search Palette de chez Blend Bunny. Qui fait... Alors, elle fait partie de mes préférés, je ne l'ai jamais essayé, ok. Mais selon moi, c'est la palette idéale. La palette qui fait tout, la palette ultime. Et après ça, tu as juste à ajouter des fards spéciaux si tu as envie. Vous avez des pastels, des fards de transition, des fards d'accent et des fards fluo. Et au milieu, ici, en haut, vous avez des irisés métalliques. Voilà. Pour moi, c'est l'idée de la palette parfaite. Est-ce que... Moi, le test, c'est savoir est-ce que les fluo vont fonctionner sur moi, parce que ça ne fonctionne absolument jamais sur moi. Donc, on va faire un test. Et je vais me maquiller en orange parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée en orange. J'ai aussi sorti un nouveau produit de, enfin pour moi nouveau, de chez NARS dont je ne vois absolument pas le nom mais je mettrai dans la barre d'infos. Et c'est parti, je commence avec mon Paint Pot de MAC que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Allez, toujours pas de panne dedans. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin. Hier, on a regardé Gardien de la Galaxie épisode. Le dernier, le 3, c'est 3 ? Je ne me rappelle plus. Ils ont failli nous faire pleurer. C'était pas très très cool. C'était pas très très beau non plus comme film. Mais ils sont rigolos. Donc, on était là pour la comédie, mais pour le reste, c'était. Les décors, les costumes, les effets spéciaux. À part quelques plans de cinéma, quelques plans de bataille qui étaient sympas, mais le reste est comme... Bof, bof. Mais bon, on sait que c'est pas ça l'essence de Gardien de la Galaxie, donc... Ça va, ok. On laisse passer. Ok. Je vais commencer par ma couleur transition. Ce gros pinceau et la couleur qui s'appelle Cut Out, qui est ce pastel ici. C'est parti. C'est parti, ça fait 5 fois que c'est parti. Sinon, on a été au cinéma, on a été voir Mission Impossible, le dernier. Dead Reckoning. C'était. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été au cinéma, déjà, premièrement. Et moi, comment dire, une affection particulière pour les trucs nostalgiques comme ça, comme Mission Impossible et Tom Cruise. Donc c'est sûr que j'allais aimer. Je me demande des fois si... Des fois il y avait des moments malaisants dans le scénario. Tu te dis, est-ce qu'ils ont fait exprès pour que ça ressemble aux Mission Impossible originales, ou est-ce que ils ont... C'était... Ils voulaient vraiment que ce soit ça le scénario. Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'étais là pour une mission facile, parce qu'il l'explique 5 fois quand même. Tu peux pas manquer la mission, impossible. Parce qu'il l'explique, et après ça, à la fin de t'avoir expliqué, ils font en résumé. Tu veux qu'on aille chercher ci et ça, et que voilà. Donc c'est toujours la même formule. Pour moi, c'est simple, pas de casse-tête. J'apprécie. Mais bon, on était là pour les cascades, puisque on sait que Tom Cruise fait ses propres cascades. C'était impressionnant. Ah, ça, on peut pas lui enlever. Ah non. Très, très, très impressionné. Je pense que je vais faire un look tout mat. Qui suis-je ? Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Juicy. Celle-ci, c'est ma couleur de Chris. Alors, j'ai pas envie d'aller plus loin que la moitié de mon œil. Je vais vraiment étirer. On va voir si j'y arrive. Je pense que vous pouvez trouver Blend Bunny sur le site de Monolith si vous n'habitez pas aux States. Monolith, c'est un site qui permet d'acheter des marques indépendantes, notamment en Europe. Comme ça, ben, vous payez peut-être un tout petit peu plus cher, mais n'oubliez pas frais de douane surprise. Et ça, on apprécie. Hein.
Ok, pour le moment je vais laisser ça comme ça et je vais prendre une couleur Black Sand avec un pinceau plus petit. Plus vous allez vers l'intérieur, plus le pinceau doit être petit, c'est mieux pour contrôler. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est mieux pour contrôler. Lequel ? Peut-être celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Grunge, qui est celui-ci. J'essaie d'aller doucement et je vais par la suite l'estomper avec le orangé. Parce que je veux que quand j'ouvre les yeux, on voit quand même le foncé qui dépasse. Je vais prendre le orange qui s'appelle Juicy, celui qui était juste avant. Et la première cut out. Juste pour un peu cleaner le top, là où je vois qu'il y a des irrégularités, ça efface un peu. Voilà. Et là, moment de c'est quoi? J'avais un terme, je sais plus. Je vais prendre la couleur, ça s'appelle Power. Et le mettre sur l'ensemble de la paupière. Prions pour que ça marche. Seras-tu le fluo qui va marcher sur moi? Oh. Ça sent pas mal ça. Alors c'est pas 100% opaque, vous voyez qu'il y a des trous et tout. Même si j'essaye de tapoter dessus, c'est pas parfait. C'est pas encore ça. Mais c'est pas mal. Il y a encore trop de trous. C'est dommage. Mais de loin, je ne sais pas. C'est sûr que j'ai l'option de mettre de l'eau, mais sur un mat. Je sais pas si c'est une bonne idée de mouiller mon pinceau. C'est jamais vraiment quelque chose qui a fonctionné sur moi, mais c'est très sec les c'est le camion poubelle, okay. C'est très sec les pigments fluo. C'est pas les trucs les plus flatteurs de l'univers. Ça s'estompe vraiment bien. Ça s'estompe mieux que ça ne s'applique à plat. Parce que c'est pas très très homogène à plat. C'est dommage. Je pense que je vais faire une transition avec la couleur Juice entre les deux pour que ce soit un petit peu plus homogène aussi. Pas pire, ok. Bon. C'est sûr que j'aurais aimé que le feu soit plus beau, mais écoutez. Je vais garder ça comme ça. Je vais faire mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. À l'ancien. Voilà. Donc, j'ai fait en bas. J'ai mis. Attendez. J'ai mis dans ma muqueuse un crayon eyeliner rouge de Colourpop qui s'appelle Be My Baby. Et j'ai estompé. J'ai mis le fluo aussi, juste pour rappeler un petit peu. Et la couleur la plus foncée. Voilà. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis du mascara. J'ai fait mes sourcils. J'ai fait mon teint avec le produit de ma rotation make-up. J'ai ligné mes lèvres avec ce crayon de Colourpop qui s'appelle. Aïe aïe aïe. Il s'appelle. Oupsie. Non. J'arrive pas à lire. Ou petit. Et je vais mettre le rouge à lèvres de chez Nars tout de suite.
c'est mat et c'est pas séchant. C'est génial comme texture. Coup de cœur, ok, génial. Et voilà pour ce look. J'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. Est-ce que j'aime cette palette? Oui, je lui pardonne que le fluo soit pas à 100% opaque sur mes yeux, mais j'ai jamais eu de fluo qui fonctionne sur mes yeux. J'ai essayé des pigments, des fards pressés, j'ai tout essayé, ça fonctionne pas. Donc ça reste quand même une palette idéale pour moi, mais voilà. C'est tout, j'espère que ce look vous a plu et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.